Avec les enfants de l'école biblique, nous poursuivons notre cheminement au sein de l'évangile selon Matthieu, et c'est la raison pour laquelle, en ce jour dit des rameaux, en souvenir de ces branchages qui avaient été coupés et posés sur le sol, nous allons lire le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem dans l'évangile selon Matthieu. C'est au chapitre 21 de l'évangile selon Matthieu. Les 11 premiers versets. Donc il s'agit de Jésus et de ses compagnons. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux les vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres, donc, et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de Dieu ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Seigneur, ta parole est la vérité, et parce que la vérité est ce qui n'est pas caché, éclaire-nous par ta vérité qui est révélation. Amen. Frères et sœurs, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 115, ce qui nous permettra de faire retentir à nouveau cet épisode de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Au cantique 115, nous chanterons les strophes 1, 2 et 5.
Éternel, notre Dieu, aide-nous à nous ouvrir à ton esprit pour que nous soyons attentifs à ta parole, disponibles à ton évangile. Derrière les mots que nous avons entendus, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour notre vie. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui avec cette fête de Rameaux face à un épisode extrêmement connu des textes bibliques, connu à travers le fait que Jésus entre à Jérusalem sur un âne, alors qu'une foule de personnes crie en son honneur après avoir coupé des branches d'arbres. Depuis que nous entendons ce texte, tout nous semble a priori normal. On ne peut plus normal, conforme à ce que nous avons toujours entendu et à l'idée que nous nous faisons de ce qu'a dû être l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et au fond, il serait assez malvenu, je pense, de la part d'une communauté de chrétiens, de s'étonner que la foule n'acclame pas Jésus à son passage. Et pourtant, il me semble que le cri de la foule devrait, sinon nous inquiéter, du moins nous attirer à un peu de vigilance. Car dans les évangiles, comme dans la vie, mais les évangiles ne sont jamais que l'écho de la vie, les cris ne vont pas de soi. Les cris sont ambigus. Ils sont aussi bien positifs que négatifs. Ils peuvent aussi bien être des cris de secours que des cris de haine. Ils peuvent aussi bien être des cris qui implorent que des cris qui accusent. Alors vous me direz que dans le cas présent, il semble bien que ces cris soient extrêmement positifs. On ne peut plus positif. Vous pensez, en plus, c'est une citation biblique, citation du psaume 118. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna dans les lieux très hauts. » Qu'ajouter à cela ? N'est-ce pas un cri admirable? Le genre de cri qu'on aimerait entendre dans toutes les communautés chrétiennes, là où le silence en général l'emporte sur toute autre forme d'expression de la foi. Eh bien, les choses ne sont peut-être pas aussi évidentes que cela. Je ne dis pas qu'il faut se méfier de ce cri parce que c'est une foule qui le lance. Il convient d'être toujours prudent à l'égard des foules. Toujours prudent à l'égard des mouvements de masse qui favorisent en général la déconnexion des cerveaux de ceux qui y participent. Mais c'est la nature même de ce qui est crié qui peut nous alerter. Et pour prendre conscience de cela, il nous faut enquêter un peu dans l'Évangile selon Matthieu pour voir ce qui se cache derrière les cris. Alors parmi les cris que l'on entend dans l'Évangile selon Matthieu, il y a les suppliques qui sont adressés au Messie.
Ce sont des suppliques adressées par des malheureux, par des nécessiteux. Ce sont par exemple deux aveugles qui crient vers Jésus « Aie pitié de nous, fils de David !» Une femme cananéenne, une étrangère non qualifiée pour s'adresser au Messie, qui elle aussi lui crie « Aie pitié de moi, fils de David !» Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il y a encore des aveugles qui, juste avant cet épisode des rameaux, implorent Jésus de la même manière. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Vous entendez qu'il y a vraiment une similitude entre toutes ces formules, et nous réalisons que les cris auxquels Jésus va répondre favorablement, qui sont donc des cris positifs, sont animés par l'humilité des personnes. Quelqu'un comme Chouraki parlerait peut-être du souffle des humiliés, qui appellent à l'aide et qui se réfèrent à l'humanité de Jésus, fils de David. Et c'est un cri semblable à celui que l'on retrouve bien plus tôt dans la Bible, dans le livre de l'Exode, lorsque les Hébreux sont réduits en esclavage. C'est le cri de l'opprimé, c'est le cri de l'homme entravé, c'est le cri de l'homme qui n'est plus qu'un sous-homme, de l'homme qui n'arrive pas à être lui-même. À côté de ce cri légitimé par le Christ, il y a des cris un peu moins louables. C'est donc celui des démons. C'est le cri de deux démoniaques. « Que veux-tu de nous, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter ?» Et puis de l'autre côté de l'épisode des rameaux, il y a un autre cri. Encore une foule. C'est le cri de la foule le vendredi qui suivra l'entrée de Jésus à Jérusalem. Un cri sans appel, qu'il soit crucifié. Voyez à quel point il ne suffit pas de crier au passage de Jésus pour que ce cri soit recommandable. D'ailleurs, les candidats et les hommes politiques le savent bien, ce n'est pas le volume du cri qui fait la qualité du cri. Jésus l'avait dit d'ailleurs sur une colline de Galilée, « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. » C'est qu'en l'occurrence, les démons ne sont pas avares en vocable religieux. Ils sont même toujours les premiers à reconnaître le divin lorsqu'il se présente. Les démons, c'est ce qui désigne les personnes ou les systèmes qui exercent une force contraignante sur les individus. Et les personnes qui sont possédées par les démons, dans les textes bibliques, sont les personnes qui sont privées de parole. Quelqu'un parle à leur place. Ce sont les personnes qui sont privées de conscience. Quelqu'un pense à leur place. Ce sont les personnes qui sont en fait dépossédées d'elles-mêmes. Des gens agissent à leur place. Leur existence est réduite à une peau de chagrin. Et, sous couvert de formules religieuses somptueuses, les démons exercent leur pouvoir sur les consciences qui sont donc dépossédées d'elles-mêmes. Et dans les textes bibliques, les évangiles en particulier, nous avons beaucoup de rencontres de Jésus qui permettent à des personnes d'être libérées de cette force d'asservissement. Ici, il y a donc une foule qui crie au passage de Jésus. Elle crie une citation du psaume 118. À première vue, nous pourrions nous dire « parfait, on ne peut faire mieux, c'est du catéchisme pur jus ». Mais les catéchumènes de l'oratoire savent qu'il faut toujours se méfier des formules de catéchisme et qu'en général, quand ils répondent à mes questions avec des formules de catéchisme, ils ont droit à une autre question parce qu'il n'y a rien de plus insupportable. Ici, il me semble que la foule est comme possédée. C'est une foule qui se couvre d'un vernis religieux pour se donner bonne figure, mais comme je le rappelais, dans quelques jours, cette foule, à quelques exceptions près peut-être, criera pour que le même homme soit mis à mort. Cet épisode me fait penser en fait à vous, chers diacres, et à votre mission. L'épisode des rameaux
me fait penser à ces situations où vous serez dans une relation d'aide, d'entraide. Et le premier travail dans une relation d'aide, c'est un travail de discernement qui consiste à repérer les cris d'appel, des cris démoniaques. Distinguer les appels au secours, profonds et authentiques, des stratégies mises en place pour vous soutirer, sinon votre âme ou votre conscience, du moins l'argent de l'entraide de l'oratoire. Il faut s'efforcer de ne pas être dupe du vernis religieux qui peut recouvrir le discours des personnes que vous rencontrez et qui, quelques jours plus tard, n'hésiteront pas à faire volte-face pour aller vers plus offrant. Il faut, de façon générale, s'efforcer de ne pas être dupe des discours qui caressent dans le sens du poil pour attirer notre sympathie, mais qui n'ont rien d'authentique, qui sont juste des discours plaqués, comme une couche de vernis. C'est la raison pour laquelle, chers catéchumènes, nous nous efforçons, séance catéchétique après séance catéchétique, de gratter ce vernis religieux pour permettre à votre foi de s'exprimer au grand jour. Il faut être vigilant de façon générale face aux discours de ceux qui veulent expliquer la vérité mieux que quiconque, mieux que l'Évangile, et qui en savent plus que quiconque sur le système. Et toutes les personnes qui sont dans une relation d'aide savent qu'il faut être vigilant dès qu'il y a en face de soi une personne qui connaît tous les dispositifs possibles, tous les petits recoins de l'administration, et tous les lieux, toutes les niches, en quelque sorte. S'il convient d'être simple comme des colombes, il ne s'agit pas d'être moins prudent que des serpents. À partir de là, un deuxième travail est nécessaire. C'est interroger ce cri. À Jérusalem, le cri est suscité par Jésus qui est sur un âne. Et il nous semble tout à fait normal que Jésus soit sur un âne pour entrer à Jérusalem, puisque c'est sur un âne que les évangiles disent qu'il est entré à Jérusalem. Il y a d'ailleurs quelques années, vous vous souvenez qu'un âne avait fait son entrée ici même. Mais pourquoi Jésus est-il donc entré sur un âne à Jérusalem, lui qui jusque-là n'en avait jamais eu besoin ? Le fait que d'autres personnes se déplacent devant et derrière lui, sans être monté sur un âne, atteste qu'il n'était pas besoin de chevaucher un âne pour entrer à Jérusalem. De la même manière que dans le livre de Josué, les espions qui vont visiter Jéricho en passant par les guets qui traversent le Jourdain montrent bien qu'il n'était pas nécessaire que le cours du Jourdain soit arrêté, que le fleuve soit coupé pour que le peuple traverse à pied sec au milieu. Il y a donc autre chose à entendre derrière cette mention de l'âne. On peut songer au fait que l'âne était tout à fait inutile à Jésus. Et pourtant, il insiste. Alors certains voient dans l'âne une monture royale. Il fallait donc que Jésus soit sur l'âne pour être le roi qui entre à Jérusalem, selon la citation du prophète Zacharie. Ce serait intéressant à la condition que les rois qui l'ont précédé soient eux aussi montés sur des ânes, ce qui n'est pas le cas. L'âne n'est pas réputé pour déplacer les rois d'Israël, c'est plutôt une monture pour le commun des mortels. Et pourtant, Jésus insiste sur cette question de l'âne. Il va même jusqu'à formuler l'hypothèse selon laquelle quelqu'un pourrait dire quelque chose au moment où les disciples vont détacher les ânes. Car il y a non seulement une ânesse, mais aussi un ânon. Et je vous laisse imaginer comment Jésus a fait pour monter sur les deux à la fois. Bien sûr, la question n'est pas « est-ce que Jésus est bien monté sur un âne ou sur des ânes pour entrer à Jérusalem ?» mais « que viennent faire ces ânes dans cette histoire ?» Et donc Jésus donne pour consigne aux disciples, si quelqu'un venait en quelque sorte à s'interposer entre eux et les ânes, de dire « le Seigneur en a besoin ». Non pas c'est pour le bon plaisir du prince, ou c'est comme cela et pas autrement, ou c'est parce que Jésus en a envie, qu'il aimerait bien entrer à Jérusalem sur un âne, que c'est tendance.
Non, le Seigneur en a besoin. Voilà ce qui apparaît comme décisif dans l'esprit de Jésus. Le besoin, ce qui est nécessaire. Or, nous l'avons vu, un âne est finalement assez inutile dans ces circonstances-là pour entrer à Jérusalem. Jésus dit pourtant en avoir besoin. L'âne, de nos jours, passe pour l'animal têtu, la bourrique, qui est devenue aussi l'image de la bêtise, autrefois stigmatisée par le bonnet d'âne. Dans la Bible, l'âne, s'il n'est pas la monture des rois, vaut bien mieux que cela. L'âne est le miroir de l'homme dans le monde animal. Je m'explique. Dans le livre de l'Exode, on nous rapporte quelques prescriptions sur les nouveau-nés. On stipule au chapitre 13 que tout premier-né doit être offert en sacrifice complet à l'Éternel. Sacrifice complet, ça veut dire on ligote, on met sur l'autel et on brûle tout. On ne récupère rien. Tous les premiers-nés doivent être offerts en sacrifice complet à l'Éternel. Tous, sauf l'homme et l'âne, qui seront rachetés par un animal de substitution. Cela signifie que l'âne et l'homme partagent la même condition. Et c'est ce qui explique le long cheminement de Saül dans le livre de Samuel, parti à la recherche des ânesses de son père. Tout un chapitre de la Bible sur Saül qui part à la recherche des ânesses de Kis. Comme s'il n'y avait rien de plus important à raconter à l'époque. Il ne retrouvera pas les ânesses perdues, mais au bout de ce voyage en forme de pèlerinage, il se découvrira, lui, premier Messie d'Israël, recevant l'onction du prophète Samuel, à la manière de Jésus qui, en fait, vient de recevoir aussi une onction, à Béthanie, sous forme de parfum cette fois. L'âne est la métaphore animale de l'homme dans la Bible, ce qui signifie que lorsque Jésus fait son entrée à Jérusalem, sur des ânes. Il s'agit de dire que Jésus pénètre dans Jérusalem, bien ancré dans son humanité. C'est là le besoin qu'il exprime. Faire entrer de l'humanité dans cette cité qu'il va s'efforcer de rendre plus humaine tout au long de la semaine qui va suivre. Le besoin. Voilà le deuxième aspect qui pourrait conduire votre mission, cher diacre. Essayez de mettre à jour les besoins qui s'expriment derrière les cris qui vous sont adressés. Parfois sous forme de murmures, le plus souvent de manière non explicite. Des gens viennent vers vous pour vous solliciter, mais il y a peut-être plus que la sollicitation première. Interrogez cette première demande pour aller au cœur des véritables besoins qu'il est toujours difficile d'exprimer. D'abord parce qu'il est difficile de savoir ce dont on a vraiment besoin. Le médecin qui reçoit une patiente qui lui explique qu'elle ne supporte plus sa pilule peut se contenter de trouver un nouveau dosage pour que les règles soient moins douloureuses ou que les nausées soient atténuées. Il peut aussi laisser sa patiente aller du côté symbolique, car il se pourrait que ce soit en fait son rapport à la maternité ou sa sexualité qu'elle ne supporte plus et qu'elle utilise la pilule comme face émergée de l'iceberg qu'elle veut confier. Allez derrière la demande pour mettre à jour le besoin profond qui s'exprime à travers une demande ordinaire. C'est la raison pour laquelle, chère catéchumène, vos parents ne vous offrent pas nécessairement le téléphone auquel vous tenez absolument et qui vous semble pourtant indispensable. Pensez qu'avoir un téléphone mobile, c'est quelque chose qui va faire de vous quelqu'un, vraiment. Umberto Eco disait « Les gens qui sont vraiment importants ont quelqu'un qui répond au téléphone à leur place. » Si vos parents ne répondent pas toujours à vos envies, c'est parce qu'ils estiment
que ce ne sont pas forcément de vrais besoins, que vous risquez peut-être de vous encombrer de choses inutiles, dont vous risquez au demeurant de devenir les esclaves. Parce qu'évidemment, quand on a un forfait SMS illimité, si on ne le rentabilise pas, c'est nul. Et donc, on passe nos nuits à envoyer des SMS, des petits textos. Un jour, un entrepreneur fut invité à un cours de management dispensé à des jeunes cadres d'entreprise. Et ce vieil entrepreneur, fort d'une sagesse indéniable, sortit un saladier. Ça progresse. Il plaça dedans de grosses pierres. Jusqu'à atteindre le bord du saladier. Que peut-on dire de ce saladier? Il est plein. Ok. Alors, il prit du gravier. Il secoua un peu pour faire de la place. Il rajouta du gravier encore. Et cette fois, on pouvait dire du saladier qu'il était plein. Il prit donc du sable. Et cette fois, on pouvait dire qu'il était... Ah, ils hésitent. Et ils ont raison. Car après... Il prit de l'eau. Et l'entrepreneur, sage et avisé, demanda à l'assemblée quelle était la morale de cette histoire. Et un jeune cadre dynamique, moins de 40 ans, leva le doigt avec audace et dit « Eh bien, c'est simple, c'est quand l'agenda est plein, on peut encore ajouter des rendez-vous. » La vérité, chère catéchumène, c'est que si vous ne mettez pas d'abord les gros cailloux, vous remplirez votre vie avec n'importe quoi. Et, au fond, c'est ce que Jésus ne cesse de nous révéler. Jésus, en s'installant sur les ânes, met son monde sur le chemin de l'humanité véritable, en remettant les choses à leur bonne place. Et ce faisant, juché sur un âne, il nous interroge. Il interroge notre propre humanité. Et vous, quels sont vos gros cailloux? Qu'est-ce qui vous rend plus humain? Un peu moins barbare et sauvage, un peu plus civilisé. Est-ce la famille? Est-ce votre engagement social ou associatif? Est-ce votre travail? Est-ce votre santé? Quels sont vos gros cailloux? Quelle est votre humanité? Comment faites-vous pour prendre un visage toujours plus humain? Au fond, c'est Jésus qui... simplement nous alerte sur le fait qu'il faut s'interroger sur ce qui, pour nous, est vraiment essentiel. Sur ce qui doit venir avant tout le reste, avant tous les gravats. Ce dont nous avons vraiment besoin pour être un honnête homme, une honnête femme, plutôt que de nous transformer en vaurien ou en vaut pas grand-chose. Le Messie n'est donc pas tant celui qui accède à toutes nos demandes, et c'est la raison pour laquelle nous vous rendons attentifs à ce que la prière ne devienne pas une sorte de liste exhaustive de tout ce qui vous ferait plaisir. Le Messie, c'est celui qui nous permet de prendre conscience de ce qu'il y a de plus essentiel en nous, de ce dont il faut prendre soin. Le Messie nous aide à découvrir quels sont nos gros cailloux,
ce qu'il faut placer au cœur de notre existence. Il n'est pas celui qui accomplit notre volonté de façon automatique et mécanique, mais celui qui nous met face à l'humanité véritable, face à ce qui est fondamental pour nous. Ou, comme le disait le philosophe Mick Jagger, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on obtient ce dont on a besoin. Amen.